L'actualité de la défense Seine-Arche, bien sûr, est nourrie, comme d'habitude. Donc, d'abord, c'est effectivement l'engagement de l'opération Arena, qui est très signifiante pour notre territoire. C'est l'inscription d'une salle de spectacle de plus de 40 000 sièges dans notre territoire. C'est donc tout à fait emblématique de ce que nous voulons faire, élargir le spectre, l'éventail d'activités pour l'ensemble des utilisateurs, des usagers, des résidents. Et là, avec l'Arena, nous donnons vraiment une dimension culturelle et d'échelle métropolitaine à notre territoire. Au-delà de ça, le projet Arena permet d'inscrire le quartier d'affaires vraiment dans son large territoire, puisque nous pouvons ouvrir un lien direct entre le plateau d'affaires proprement dit, historique, et les terrasses de Nanterre. Et ce faisant, nous illustrons notre volonté d'ouvrir le quartier d'affaires et de l'inscrire dans le territoire. Mieux l'inscrire, mais aussi ouvrir une programmation beaucoup plus diversifiée. Et donc, nous travaillons sur les logements qui vont accompagner les locaux universitaires, les résidences étudiants, qui vont donner une nouvelle couleur et un nouvel usage à l'ensemble de ce territoire.